Bonjour à tous, Palme d'or du Festival de photos sous-marines d'Antibes 2006. Voilà le trophée, voilà le lauréat. Kazem Béram, bonjour. Bonjour. Alors, ce prix reçu il y a peu de temps, c'est pas le premier prix, bien sûr, mais qu'est-ce qu'il représente? Oh, c'est vrai que ce n'est pas le premier prix, mais c'est formidable de recevoir un prix, étant donné que pour ce prix, pour ce reportage, j'avais travaillé pendant 3 années. Donc sur l'or de la Caspienne. Hein. L'or de la Caspienne, oui. D'accord. C'est un reportage que j'avais fait dans la mer Caspienne, que c'est une mer vraiment complètement isolée, comme j'avais dit auparavant. Alors donc c'est une mer entre la Russie au nord et l'Iran, qui est entourée par 5 pays, c'est de l'eau salée. Tout à fait. Et c'est... vous êtes habitué de là-bas. Hein. Oui, c'est-à-dire que à force d'aller dans la région, de vouloir comprendre ce qui se passe dans notre monde. Aujourd'hui, on sait que le monde est vraiment tout petit avec les moyens de transport. Mm-hmm. Et donc, on peut y aller, on peut se rendre facilement d'un bout à l'autre du monde. Donc, je suis allé souvent ici pour pouvoir, est-ce qu'on pouvait apporter des reportages, surtout informer les gens pour dire, voilà, il y a des telles choses, il y a des humains qui sont un peu différents au niveau, je parle de langage, mm-hmm. et au niveau culturel. Il y a des choses à voir. Il y a des choses à voir. Alors, la photo sous-marine en guise de langage, c'est le pari de votre vie, j'allais dire. Hein. Vous êtes reporter photographe, vous faites un travail journalistique. Oui. C'est venu comment? Parce qu'on rappelle rapidement que vous avez quitté l'Iran en 1978 au moment de la Révolution. Oui. Et ensuite, comment vous vous êtes lancé dans cette carrière? Pour résumer, je me souviens que j'étais à l'école, donc j'avais besoin de faire... Vraiment, j'ai entendu le clic-clac d'un appareil photo. Je suis devenu passionné. J'avais 9 ans et j'ai vendu une année de bonbons pour voir le clic-clac. Donc voilà, au bout d'une année, j'ai acheté un appareil Lubitel. C'était un appareil russe de moyen format. Donc je photographiais mes camarades à l'école et tout ça. Donc petit à petit, ça continuait avec, en parallèle, je faisais une carrière sportive. Alors kayak? Et j'étais champion de kayak à 16 ans. D'Iran? D'Iran, oui. Mmh. Oui. Donc, j'étais pendant 7 années champion d'Iran. Ça veut dire que j'étais le premier. Et j'étais membre de l'équipe olympique. Et donc, en même temps, je faisais de la photo. Mmh. Donc, la photo m'a toujours poursuivi. Et jusqu'au moment que je suis venu en France. Donc, la révolution, est-ce qu'elle a cassé votre rêve ou est-ce qu'elle a permis autre chose? Comment vous l'analysez aujourd'hui? C'est-à-dire qu'en vérité, ma vie ne dépendait pas de révolution. Je veux dire que j'avais prévu, après mon service militaire, de partir à l'étranger. J'avais choisi les États-Unis pour faire mes études. Donc, du fait que la deuxième langue, après la langue farsi, le perse, c'est la langue anglaise. Et troisième, c'est la langue française. Et donc, par facilité du fait que j'avais fait des études secondaires avec ma deuxième langue en anglaise, donc je préférais de partir aux États-Unis pour faciliter. Mm-hmm. Et la révolution est arrivée, c'était indépendant de ma volonté. Il fallait faire vite, quoi. Il fallait faire vite. Et donc, je me souviens à cette époque-là, j'avais des amis français en Iran. Et donc, quand j'ai entendu parler cette langue extraordinaire, que je trouve toujours extraordinaire, c'est magnifique, et de pouvoir parler, c'est une langue pour moi, en tout cas, je le ressentais comme une chanson magnifique, et donc j'ai dit, c'est la France que je choisirais. Vous êtes arrivé, il fallait poursuivre les études, donc vous êtes inscrit à l'université de Caen. Et voilà. Là, vous continuez le sport. Hein, voilà, exactement. Toujours, pour être professeur. Pour être prof du sport, et c'est là, au CSU de Caen, c'est le Centre Sportif Universitaire, j'ai fait mes premiers pas en plongée. Donc, constamment, du fait que je me souviens à cette époque-là, je cherchais pour savoir si sportivement je pouvais joindre à un club de kayak, du fait que je pratiquais les kayaks à haut niveau. Et donc j'ai voulu savoir si c'était possible de faire. Par exemple, moi, j'étais un. On appelle le kayak lancé. Alors là, vous avez découvert donc la plongée sous-marine. Oui. C'est votre premier plongeon à ce moment-là. C'était votre premier.
Avec la bouteille, Avec oui. la bouteille, oui. Avec Oui. la bouteille, oui. Oui. Parce que vous aviez déjà fait de l'apnée? Oui, j'avais fait déjà l'apnée, oui. D'accord. Et l'apnée, dès le départ, vous vous êtes dit, c'est pour moi, ça, Oui, c'est-à-dire que dès que je hein? mettais la tête sous l'eau, étant donné que j'avais appris à l'âge de 5 ans de nager, donc il était tout à fait naturel pour moi d'aller chercher une pièce au fond, Ouais. d'aller chercher des choses, C'est des de l'apnée objets. naturelle, hein, Oui, voilà, avec un voilà. objectif, la pièce. Voilà. Et donc ça commençait, avec la bouteille, ça commençait à l'université, donc j'ai eu à l'université mon premier brevet élémentaire en bouteille. Et c'est là le déclenchement, le vrai déclenchement, ça a eu lieu ici. Alors, à quel moment vous avez commencé à prendre des photos sous-marines? C'est venu plus tard? Oui, c'est devenu plus tard. C'est-à-dire que pendant des années, je partais à l'étranger, notamment en Méditerranée. Je suis parti aussi en Afrique. J'ai ramené les différents matériels, ça veut dire que le matériel c'était terrestre, que j'ai voulu l'adapter au fond marin. Donc j'ai essayé pas mal de choses, j'ai beaucoup testé de matériel, et finalement j'ai trouvé la solution en 93. Je disais, vous avez fait des études hein, pour être prof de sport. Vous avez été prof de sport Oui. pendant un bon petit moment quand même, Oui, hein. bien sûr, bien sûr. Et en même temps, il y avait la plongée sous-marine, Oui. la photo aussi qui commence à arriver. Alors, à quel moment vous vous êtes dit, bon, bah, je vais quitter l'enseignement pour me lancer dans cette carrière Mais difficile? oui, c'est très difficile. D'autant plus, vous avez souligné la photo sous-marine. C'est vrai que moi, je suis photographe sous-marin à 50%. Je ne suis pas photographe sous-marin à 100%. Et parce qu'aujourd'hui, on ne vit pas de la photo sous-marine, des films marins. Je fais aussi des films. Mais il faut être réaliste. Dès le départ, quand je me suis posé cette question, j'ai dit qu'il faut un équilibre entre les deux, la terre et mer. Et donc, pourquoi je dis ça? Parce que je me souviens dans les années 90, j'ai fait une série de reportages qui n'étaient pas forcément sous-marins. Donc, par exemple, j'avais fait un reportage pour Paris Match, c'était concerné des femmes iraniennes, comment les femmes Se iraniennes baigner. faisaient du sport Ouais. avec des contraintes. Comment dirais-je, Lié à leur lié religion, lié à à leur la religion éducation, oui. et aussi le vêtement. C'est le vêtement qui était des contraintes, qui imposait des contraintes. Ça veut dire qu'il fallait porter un voile et comment j'ai voulu comprendre comment ça se passe, comment elles font. Comment, par exemple, une femme faire du parachutisme dans des conditions Ouais. comme ça. Donc Comment ça, ce une. sont des reportages qu'on voit pas forcément ailleurs. Oui. Et en plus, vous étiez iranien, ou hein, Oui. donc jusqu'en 81, puisque vous avez pris la nationalité française. En 80, oui, En 81, absolument. pardon, Oui, 81. tout à fait. Donc vous étiez iranien quand même. Donc vous saviez comment aborder ce sujet peut-être un peu épineux. Tout à fait, tout à fait. D'autant plus que mon regard, il n'est pas du tout politique. Mon regard, c'est le regard d'un citoyen qui aimerait comprendre avec un langage différent, apporter son point de vue, de montrer comment ça se passe ailleurs. Alors vous avez dit une fois, grâce aux photos, j'ai accès à l'Iran, mais je ne fais pas de politique. Mes photos sont des éléments de prise d'opinion. Ah, tout à fait. Moi, je laisse aux gens de découvrir ce qu'ils ont envie de voir. Moi, en tout cas, on m'a permis de faire la photo, on m'a permis de faire un film, de faire un reportage. Je dis que c'est déjà extraordinaire de pouvoir faire quelque chose que les autres ne sont pas capables de le faire. En tout cas, dans mon métier, j'ai essayé de le faire le mieux possible. Mais quand j'ai vu que certains journaux et revues étaient intéressants pour mes reportages, qu'à cette époque-là, financièrement, c'était intéressant. Et je me suis dit, pourquoi de ne pas quitter définitivement le sport, j'allais dire enseignant, de devenir, d'apporter d'autres informations. Moi, j'étais heureux quand j'étais enseignant. Franchement, je ne crache pas du tout dans la soupe. Vraiment, c'était Mais il fallait formidable. passer à autre chose. En tout cas, vous sentiez qu'il y avait autre chose qui arrivait, quoi. La vie, je la considère comme une ligne droite. Ouais. On traverse, on ne peut pas retourner en arrière. Donc, je me suis dit, maintenant, C'est autre chose, allez, on il faut avance. passer à autre chose, mais maintenant, j'ai passé. Et avant, je faisais les deux. Ça veut dire toutes mes vacances, tout ça passait dans la photo et vidéo. Vite, photo, vidéo, photo et film. Et à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi pas, maintenant que les journaux ils sont intéressés à ce que je fais, mais maintenant, il faut franchir le pas. J'ai franchi le pas.
Donc aujourd'hui, ben voilà, je baigne entièrement dedans. Parce qu'auparavant, on me demandait ce que j'étais. Je disais, je suis enseignant. Et je fais de la photographie. Et quand j'étais à l'extérieur dans mon travail, on me demandait ce que j'étais. Je disais, je suis photographe et je suis reporter. Mais maintenant. Vous avez dit aussi, mon métier est sinistré, la photo numérique n'est pas au point. Je travaille en argentique, c'est la qualité. Oui. Ça reste vrai, ce que vous disiez il y a 2 ans ? C'est toujours vrai. C'est toujours vrai. Mais la photographie numérique, de même que le film, n'ont jamais, aujourd'hui, n'ont jamais atteint le niveau de 35 mm ou 16 mm. Je m'explique, par exemple, aujourd'hui, vous regardez la qualité d'un film réalisé en numérique, et vous regardez la qualité d'un film 35 ou 16 mm Super 16. Il y a toujours les gens, les amoureux. Oui, les amoureux de, il y a une différence, cette image. Exactement. Mais est-ce que le grand public, justement, ne va pas changer l'œil du grand public, ne va pas être habitué de plus en plus à perdre les références, les codes d'avant? Si. Mais par exemple, en même temps, le grand public est en train de se juger, à mon avis. De savoir où se situe, où va se situer. Définitivement. Aujourd'hui, je sais que photo numérique, film numérique a pris une grande place. Mm-hmm. Mais pour moi, je dis encore, il y a l'espoir parce que, en tout cas, je ne suis pas photographe de news. Mm-hmm. Donc, mon travail, c'est un travail intemporel. Et puis de qualité aussi, vraiment. Entre guillemets, oui. Parce que la news, la photo peut être un petit peu floue. On ne va pas non plus en vouloir énormément photographe. Alors que vous, si vous faites un poisson flou, à la limite, la photo perd tout. Par exemple, pour faire la photo d'un poisson, imaginez, je passe une journée pour prendre la photo d'un animal. Ça m'est arrivé très souvent qu'il y a un animal que je voulais. À chaque fois que je pars en mer, je vois ce poisson. Alors, donc, j'arrive dans l'eau et je vois l'animal, il est en train de bouger. Alors, je m'adapte à sa situation. Ce n'est pas l'animal qui va s'adapter, c'est moi qui vais m'adapter. Et là, à un moment donné, je vois qu'il est en train de me regarder. Et donc, je fais la mise au point sur son œil et je recadre de nouveau et je prends la photo. Mais si un dixième de millimètre c'est décalé, c'est la photo est foutue. Alors, vous vous imposez une discipline de vie assez lourde, hein, physiquement, puisque vous avez des entraînements journaliers sportifs, vous êtes végétarien, vous jeûnez également régulièrement. Là aussi, on a l'impression un petit peu toujours que vous allez toujours plus haut, toujours plus loin. La recherche de la qualité, la recherche de contact, la recherche de l'autre aussi. Hein. Oui, quand on vous connaît un petit peu, on sent bien ça, cette envie toujours de se surpasser, d'avoir un objectif. Hein. Absolument. En même temps, si, c'est, en tout cas, c'est gentil de le dire ça, mais c'est toujours. Si je fais certaines choses, je ne fais vraiment pas pour me mettre en avant. Mm-hmm. Ça, c'est. Non, mais on sent bien que c'est vous, en interne. Vous avez besoin pour vous-même, pour être bien, oui, absolument. De vous surpasser. Hein. Ça m'aide. En même temps, pour vous donner une idée, quand je m'entraîne dans une piscine, quand je m'entraîne, les gens, souvent, ils me voient. Que je sens faire un des entraînements assez compliqué. Oui, c'est pas juste une brasse aller-retour. C'est compliqué. Ça veut dire que pendant 2h30, je nage sans vraiment respirer à tous les bras. Donc je respire tous les 50 ou 25 mètres en nageant des papillons ou des nages très très compliquées. Que j'ai inventé par exemple à marcher sous l'eau sans air. Vous savez, j'expire complètement l'air dans mes poumons et j'ai pour augmenter le volume, capacité pulmonaire, il faut faire des exercices. Donc je fais ces exercices pour augmenter la capacité pulmonaire et aussi pour assouplir la cage thoracique. Donc quelqu'un qui possède 7 litres, moi je suis un peu au-dessus de 7 litres, donc il faut garder ces conditions pour que quand je pars dans une région compliqué, difficile d'accès, et quand je rentre dans l'eau, que je sois capable dès le premier jour de pouvoir déclencher. Alors, je vous ai dit, 50% de mon travail, c'est sous l'eau. Donc, en même temps, ça m'aide aussi quand je suis en l'air,
en parachute ou quand je suis par exemple dans la montagne en train de marcher, j'ai la condition physique. Alors, qu'est-ce qui fait, est-ce que vous avez toujours été comme ça ou c'est parce que, c'est peut-être un cliché ce que je vais dire, mais parce que vous arrivez d'Iran à un moment où votre vie a changé, il faut vous adapter, et il y a une rage en vous qui fait que vous allez vous en sortir, ou c'était déjà comme ça au départ, vous étiez déjà comme ça, toujours en compétition avec vous-même, j'allais dire. Franchement, je ne sais pas. Certainement, c'est un besoin. Je n'ai pas cherché pourquoi je fais ça. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne me mets jamais en avant. Franchement, ce n'a jamais été mon cas. Mais c'était naturel. J'avais envie de faire du sport. Le sport, c'est un élément extraordinaire dans ma vie. C'est quand même, c'est un ami qui ne m'a jamais quitté. En même temps, il faut avoir une discipline de vie. Moi, je l'ai adopté, mais franchement, sans vraiment... Ça ne vous coûte pas, c'est une évidence pour vous. Ça coûte énormément. Ça coûte pas, oui. Ça coûte énormément. C'est facile de dire pour moi, oui. C'est, pour vous, d'autant plus, en temps, je sais que pendant je suis en train de courir dans la forêt, je ne suis pas derrière mon ordinateur, je ne suis pas dans une salle de cinéma. Vous n'êtes pas dans votre vie privée aussi. Et ça empiète énormément sur la vie privée. Mais je n'ai aucun regret. Je dis c'est formidable, mais personne ne m'a forcé. Je ne me force pas. J'y vais vraiment parce que c'est naturel. Vous assumez vos choix. J'assume ça absolument. Ça s'appelle assumer ses choix. Absolument, oui. Alors, il y a plein de choix que vous avez fait dans la vie. C'est vrai, quand on regarde un petit peu votre parcours, c'est super intéressant parce qu'on s'aperçoit que vous avez donc quitté l'Iran dans des conditions difficiles. Mais en 80, vous avez pris la nationalité française. C'était une volonté de votre part. Mais en même temps, vous ne quittez pas l'Iran totalement. Ça reste quand même... vos racines. Tout à fait. Mais c'est-à-dire que je suis très heureux et honoré d'avoir les deux nationalités. En tout cas, j'en ai la nationalité française parce que je me souviens à l'époque quand j'étais universitaire, j'avais envie de rester en France. La France était pour moi une terre d'accueil. Et c'est surtout culturellement, j'ai découvert des choses extraordinaires. C'est la culture que la France m'a donnée. Je l'ai absorbé et ce que je suis aujourd'hui, si je suis vraiment, entre guillemets, quelqu'un dans ce milieu, un respect vis-à-vis de ce que je fais, c'est grâce à la France. Donc, je n'oublie pas la culture que la France m'a inculquée. Je suis très fier d'être aujourd'hui français et iranien, si vous me permettez. Donc, je me baigne dans les deux cultures. Je n'ai pas choisi mon pays d'origine. Vous apportez aussi à la France la richesse de votre culture iranienne. Si c'est vous que vous me dites, moi je l'accepte volontiers. Ah bah oui, j'imagine. J'imagine. Alors, ce métier, c'est une passion. Vous avez dit, le commandant Cousteau est mon maître incontesté. Alors, le petit bonhomme au chapeau rouge, il est ancré aussi dans votre vie. Ah oui, vraiment. Ouais. Depuis mon enfance, j'oublierai jamais. Aussi, c'est ça la culture. Vous voyez, commandant Cousteau, c'est quelqu'un qui appartient, à mon avis, au monde entier. Il n'est plus uniquement français. Là, il n'y a plus de barrière. Il n'y a plus de barrière. Donc, dans la mer, il n'y a pas de frontières. Moi, je le perçois comme ça. Et commandant Cousteau, pour moi, c'est un personnage qui appartient au pays du monde, à tout le monde, comme le sportif, des grands sportifs comme Zidane et d'autres. Mais pour moi, commandant Cousteau, c'est mon maître absolu, absolument. Alors, il a dit, on lui a posé une question un jour, on lui a demandé qui est le meilleur plongeur. Et il a répondu, ce commandant Cousteau, le meilleur plongeur, c'est un plongeur vivant. Oui. Alors justement, là, on aborde peut-être une partie un peu difficile de votre métier, c'est-à-dire que vous prenez des risques quand même. Oui, oui. Est-ce que ce sont toujours des risques pesés, mesurés, ou est-ce que vous laissez la part justement au risque qui peut arriver en plongée sous-marine? Mais on ne peut pas mesurer les risques. On peut... on peut s'entourer énormément de conditions, de sécurité. De sécurité optimale, mais un accident, tout bête, peut arriver. Donc, je ne suis pas, à l'abri d'un accident, un pépin. Alors, on ne vous le souhaite pas, bien évidemment. Au moment où on enregistre cet entretien, vous serez dans le golfe Persique. Là, vous partez pour quelques mois. Oui. Réaliser un travail aussi qui vous tient à cœur, sur lequel vous êtes depuis très longtemps. Absolument. Je prépare un reportage, un film sur le dernier pêcheur de perles. J'avais fait en 98 un reportage. J'avais gagné la Palme d'Or avec aussi cette année-là. Ça s'appelait Rêve de perles. Mm-hmm. Aujourd'hui, je suis en train de terminer un film
concernant ce rêve de perle. Les belles images, elles ont un coût. Il ne s'agit pas de dire j'ai pris une photo. C'est un métier que vous faites, c'est un vrai travail. Bien sûr. Alors ça paraît très bête de le dire, mais en tout cas, on peut se retrancher en disant bah oui, j'ai vu la photo dans tel journal, bah oui, mais elle se paye. Et si elle n'est pas dans le journal, c'est qu'on n'a pas accepté de payer ce prix. Mais tout à fait. C'est un peu contradictoire, parce que les gens veulent des belles photos, mais en même temps, ils ne veulent pas payer. C'est ça. C'est-à-dire que je me souviens, une fois, j'avais fait une exposition à Saint-Quentin, en médiathèque, il y a une dame est arrivée en voyant, en disant quel était le prix de l'impression. Ça veut dire combien j'avais payé le labo pour mettre sur le papier la photo. Et j'ai dit, écoutez, pour cette photo, je suis allé dans une mer très très lointaine. J'en ai fait des centaines de photos pour en réussir une seule, parce que vous ne savez pas ce que vous faites auparavant. Il faut énormément de calculs. Vous ne pouvez pas demander à un animal de s'arrêter, de faire une pause pour que je puisse prendre correctement et tout ça. Les animaux sont sauvages. Si vous lui dites que ça coûtait 4 euros le tirage, effectivement, elle va dire c'est démesuré. Voilà, elle ne va pas comprendre. Je veux dire que la plupart du temps, les gens, ils comparent leur travail que eux, ils font avec argentique ou numérique. Et ils voudraient toujours le comparer avec vous. La différence entre un amateur et un professionnel, c'est que l'amateur, il va avec le temps qu'il dispose pendant ses vacances. S'il ne trouve pas, il ne trouve pas. Pendant ses vacances, pendant son temps loisir, il faut qu'il aille dans un tel lieu pendant qu'il s'occupe de faire de tout le travail. Ce laps de temps qui va passer, qui va faire ses vacances entre la photo, le cinéma, peu importe le travail qu'il voudrait faire, mais son temps est restreint. Tandis qu'un professionnel, entre guillemets, il va là-bas et il a déjà prévu, il a écrit déjà le scénario, il a déjà fait des recherches pour savoir où va mettre les pieds et comment il va trouver ces êtres. Que ce soit les hommes et les animaux, comment il va les trouver, dans quelles conditions. Ça s'appelle l'engagement professionnel, De résumer. Alors, vous avez fait plein de photos, vous avez aussi un engagement associatif, puisqu'en 1990, vous avez été citoyen d'honneur de N'Gor au Sénégal. Là aussi, c'est important, cette partie sociale tournée vers les autres. C'est-à-dire que dans les années 80, je me suis engagé pour faire une association avec mes amis, pour le Mali. Alors, l'activité, ça va être, donc, on le disait, le golfe persique, et puis un livre retour, parce qu'il faut toujours témoigner. Voilà, c'était dès que, en même temps, il y a quelqu'un m'a dit un jour, les journaux terminent dans la toilette, parce que les livres, atterrissent dans les bibliothèques. Donc, c'est vrai que je ne dénigre pas ni l'un ni l'autre, mais ce sont deux choses différentes. Mais évidemment, dans la durée, je préfère le lire. Alors, vous êtes propriétaire de vos images. Absolument. Toutes vos images. Absolument. Donc, si un éditeur nous regarde, c'est une mine d'or, cet homme. Il a des photos fantastiques. Après, attention, ne négociez pas à la baisse les tarifs. Moi, je vais vous aider là. Merci beaucoup. Parce que franchement, il y a de très, très belles photos et... ça pourrait être un beau rêve, ça aussi, un album de vos photos. Ça fait des années, j'avais envie de montrer mes images. Actuellement, je suis avec deux autres copains. Nous sommes en train d'ouvrir un site internet. Au lieu de mettre Kazem Meram, je fais Golfe Persique. Alors, vous avez le conseil général, le conseil régional, l'ambassade de France. Vous avez tous les éditeurs de France qui vous ont entendu. C'est ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2007, au-delà d'être heureux en premier absolument, et d'avoir absolument, la santé. Absolument. La chose la plus chère que j'ai chez moi, c'est ma santé, que je porte sur moi-même. Donc, le reste... Ça suit. Ça suit, voilà. Quoi. Donc, tant qu'on a la santé, tout va. Merci, Kazem. Voilà. C'est à moi de vous remercier encore une fois. Vraiment, c'était très sympathique. Je vous remercie, vous et toute votre équipe, qui a toujours gentiment, vraiment, ils m'ont accordé... Et ce temps, je trouve qu'à chaque fois que je suis chez vous, je me sens bien. Voilà. Bon, merci beaucoup. Parce que vous le valez bien. Merci. Merci à vous.